Bueno, en este momento daré la palabra al distinguido representante de Armenia para presentar el proyecto de resolución A/73/L81. Armenia tiene la palabra para presentar el texto de este proyecto de resolución. Madame la Présidente, en tant que représentant de la présidence du 17e sommet de la francophonie et coordonnateur de la résolution coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie, l'Arménie a l'honneur de présenter le projet de la résolution A73L81. Les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage se sont réunis lors du 17e sommet de la francophonie du 11 au 12 octobre 2018 à la capitale arménienne, Erevan. Pendant deux jours, le sommet d'Erevan a débattu des grands enjeux mondiaux et de la contribution de la francophonie pour y répondre, notamment autour de la question du vivre ensemble. Cette thématique, fil rouge du sommet, répond au contexte d'actualité de l'espace francophone et international, comme une évidence à cultiver et à préserver. Vivre ensemble, c'est une valeur fondamentale pour la famille francophone qui s'est élargie lors du sommet. Le 17e sommet a réuni des représentants de 88 États et gouvernements de la francophonie pour célébrer les valeurs communes de solidarité et de coopération en prenant la diversité comme une source de paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Le calendrier de ce grand rassemblement était véritablement symbolique, car le sommet s'est tenu à un moment où l'Arménie était animée par les valeurs de la révolution des velours, un mouvement civique et pacifique mené par le peuple arménien dans son aspiration à vivre ensemble dans un environnement de société libre, juste et solidaire. Dans ce que le secrétaire général des Nations Unies a qualifié comme un exemple fantastique de transfert pacifique du pouvoir, les jeunes et les femmes arméniens se sont retrouvés à l'avant-garde des processus démocratiques non violents dans le plein exercice de leurs droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales. La révolution des velours et les transformations politiques qui ont suivi en Arménie ont démontré l'engagement du peuple arménien à adopter de manière décisive des politiques d'inclusion, d'égalité des droits et des chances, de développement et de paix au niveau national, régional et international. Tant que déclaré par le Premier ministre d'Arménie, Nikol Pachinian, lors du sommet de la francophonie, les valeurs de paix, de solidarité et de l'humanisme intégral qui définissent l'idéologie du vivre ensemble dans l'espace francophone constituent un bien commun, une richesse qu'il nous importe à tout prix de préserver. Le moment du sommet a également porté un symbolisme plutôt triste, car il se tenait pendant le jour où l'espace francophone et le monde entier faisait ses adieux à Charles Aznavour. Un grand homme de culture, un artiste de légende qui a traversé les époques, les générations et les frontières, Charles Aznavour était un grand ambassadeur de la francophonie et un ambassadeur vraiment extraordinaire de l'Arménie. En rendant hommage à cette personnalité légendaire, le 17e sommet de la francophonie a réaffirmé son attachement commun aux valeurs humanistes de l'art, de la culture et de la diversité linguistique. Madame la Présidente, le message de vivre ensemble choisi comme le thème principal du 17e sommet revêt une signification particulière, aussi importante que jamais, dans le contexte mondial troublant des déclins marqués de l'engagement international envers le multilatéralisme et le respect des droits de l'homme, à un moment où nous avons besoin de davantage de coopération internationale et de capacités renforcées à cet égard. Le projet de résolution qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale reflète les liens étroits qui existent entre les Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie. Il fait suite à la résolution précédente adoptée il y a deux ans dans cette Assemblée sous la présidence de Madagascar. Le projet de résolution présenté aujourd'hui donne un aperçu des principaux engagements réaffirmés au 17e sommet de la francophonie, comme indiqué dans la déclaration d'Erevan et les autres documents adoptés au sommet. La résolution note la volonté des États membres de renforcer leur coopération pour la promotion de la paix et de la sécurité internationale, la défense des droits de l'homme et l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le terrorisme, la prévention du génocide et les crimes contre l'humanité,
le développement durable, la promotion de l'éducation et de la formation, aussi en vue de combler le fossé numérique, ainsi que dans les autres domaines de coopération. La résolution se félicite de la création des deux nouveaux bureaux régionaux à Tunis et à Beyrouth, en application de la décision relative adoptée au 17e sommet de la francophonie. J'aimerais terminer mon discours en remerciant toutes les délégations pour leur engagement constructif dans le processus de consultation sur le projet de la résolution. Nous sommes très reconnaissants du résultat consensuel et substantiel de ce processus. L'Arménie se réjouit du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra au Tunis en 2020 et qui va marquer le 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est moi qui vous remercie, représentante de l'Arménie.